Salut tout le monde, je vous présente mon dernier projet. Je suis fait un petit moteur hors bord avec un moteur de fouette à gaz. Pour voir qu'il peut tilter. East of Montreal, you can listen to the engine. Morning out, it's one note song. You can think about that woman, a little girl you knew the night before. Thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing there to do. You don't feel much like riding. You wish the whole damn trip was through. Into a restaurant, all strung out from the road. You feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you. You just want to explode. Times you can't hear them talk. Stop. Is it a woman? Is it a man? You always seem outnumbered, Lord. You don't dare make a stand. How can ajuster la hauteur. La partie que vous voyez là, là c'est le gearbox d'un buffer comme ça qui était brûlé. Voilà, c'est la même chose. J'ai monté une plate. J'ai remplacé le shaft ici. J'ai rajouté un signe là pour que ce soit étanche à l'eau. En fait, c'est un vieux buffer Black & Decker. Pour donner un virage pour pouvoir faire virer l'hélice moins vite. Ça, ça part d'un moteur électrique que j'avais. Fait que ça est ajustable pour tilter le. Très léger, ça pèse 10 livres. D'enlever la tête pour, si on veut le transporter encore plus facilement.
there in the spotlight, at times a million miles away. Every ounce of energy you just try and give away. Sweat pours down your body just like the music. En attendant, je vais vous montrer sur quoi je travaille cet hiver. Fait que ça, c'est mon projet pour l'hiver, là. C'est un motoneige à deux chenilles avec un moteur de géométro 3 cylindres transmission automatique. Là, je suis en train de faire le support de moteur, mais c'est avec ça que je m'amuse à passer l'hiver. Ça fait que ça va être le prochain, peut-être le prochain reportage de sur vidéo sur YouTube. Salut!